Et salut les amis, c'est Jim Chasse et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo, voilà, je vais vous faire montrer l'évolution des oiseaux et on va voir ensemble comment je procède quand les petits sont pratiquement sevrés. Dans ma dernière vidéo ou avant-dernière, je vous ai fait montrer comment je faisais avec la grille pour les séparer et quand arrive le moment de... Voilà, pour séparer les oiseaux, je vais vous faire montrer. Alors, déjà, on va faire un petit tour ensemble de mon élevage. Donc là, alors, ce matin, j'ai mis les baignoires. Voilà, j'attends que mes oiseaux se douchent et après, j'enlève les baignoires parce que je n'ai pas envie de prendre aucun risque. Voilà, le père et la mère sont lavés. Donc là, les petits agates mosaïques jaunes, je vais vous les faire montrer de plus près. Alors, voici les 5 agates mosaïques jaunes. Alors, ils sont âgés de 10 jours. Voilà. Alors je vais donner les dates parce qu'il y en a, ils m'ont demandé en commentaire si je pouvais donner les dates. Alors oui, bien sûr, voilà, c'est des petits jeunes, ils ont 10 jours. Voilà, eux, ils ont bien profité, franchement, il n'y a aucun problème là sur l'évolution, voilà. De jolies agates, il y en a 4 qui sont baguées et un qui a perdu la bague et donc je n'ai plus de bague, donc voilà. On va passer au suivant. Voilà, noir opale, jaune mosaïque. Voilà, vous pouvez voir aussi après la douche. Alors je fais attention au contre-jour, voilà, un joli couple aussi, je vais vous faire montrer les bébés. Alors ça c'est les noirs opales jaunes mosaïques, et eux ils sont âgés de 9 jours, voilà, ils sont nés le 6 avril. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ouais c'est ça, ils ont 9 jours. Voilà, de beaux loulous, c'est pareil, là l'évolution se fait parfaitement, voilà, ils commencent à mettre les plumes, nickel. Voilà, bomber les crottes, vous voyez, ça hier j'ai nettoyé hier, et voilà, aujourd'hui il y en a autant, hein. Voilà, on va passer au suivant. Alors ça, c'est les noirs rouges mosaïques. Dommage que, voilà, on ne peut pas voir comme il faut les couleurs. Bon, c'est pareil, ils ont été à la douche. Et je vais vous faire montrer les petits. Hein. Alors, voilà les deux noirs rouges mosaïques. Alors là, vous pouvez voir que quand j'arrive, ils se blottissent au fond du nid. Hein, c'est normal. Alors là, on peut apercevoir déjà un peu de rouge sur celui-là. Là, moi, je le vois un peu. Donc, je dirais, moi, un mâle et une femelle. Mais écoutez, on verra bien quand ça va grandir. Voilà, bon ben là, vous voyez là le rouge là sur les épaules ici. Voilà, ben j'espérerai avoir un mâle. De toute façon, la tournée n'est pas finie. Voilà, eux ils ont 11 jours. Voilà, ils se portent très bien. Alors, chez les agatopales jaunes mosaïques, alors il y a 3 bébés, ils grandissent un peu, mais voilà, alors je vais vous faire montrer dans le nid. Pour moi, il y aurait quand même problème. Parce que ça, c'est mon frère qui me l'a acheté, le agatopale jaune mosaïque. Bon, on peut voir que c'est un agatopale jaune mosaïque. Mais le problème, c'est que dans le nid, il y a eu un peu plus foncé. Quoique maintenant, il sort les couleurs. Mais on va voir ça tout de suite ensemble. Je vais vous faire montrer. Alors, les voici, les petits agatopales jaune mosaïque. Alors là, vous pouvez apercevoir déjà que celui-là a la tête bien, bien jaune, bien jaune, bien jaune. Ça, je pense, c'est dû au masque du mâle. Après, je ne suis pas très sûr. Donc, bon, ben, vous voyez que celui-là, il est un peu plus fétiche. L'évolution ne se fait pas partout pareil. Et vous voyez, celui-là, là, il devient clair. Bon, il était foncé un peu à la base. Mais vous voyez, là, dans un couple d'agatopale, je ne sais pas si c'est normal. Mais bon, là, on commence à voir des plumes jaunes qui sortent. Alors, est-ce qu'il va rester noir ou est-ce qu'il va rester clair, ou il va devenir clair, je ne sais pas du tout. Voilà, celui-là, là. Ça me paraît un peu bizarre. Après, ici, sur le dos, on voit déjà des plumes. De toute façon, on va voir l'évolution ensemble. Hein, je vais vous tenir au courant. Mais ouais, par contre celui-là, il me semble qu'il va être joli là. Ils vont être tous beaux. Là vous pouvez bien apercevoir les yeux rouges de celui-là là. Voilà. Celui-ci aussi a les yeux rouges, mais on le voit mieux sur celui-là là. Voilà. Donc voilà, c'est pas parce que les parents là n'ont pas les yeux rouges. Hein. Ils devaient être porteurs des yeux rouges. Donc ceux-là, bébés, donneront des yeux noirs normalement. Et leurs bébés seront des porteurs de yeux rouges, je pense. Voilà, je vais vous faire montrer les autres. Bon alors là c'est la UP, hein. Donc elle a toujours ses 3 petits, j'ai regardé ce matin, ils se portent bien. Voilà, on peut bien voir les petits normalement là. Voilà, il y a 3 petits. Donc il y a 2 petits à elle et un petit de ce couple. Alors là ça fait 2 jours que ça couvre, dans 2 jours je vous donnerai des nouvelles, voir si ça a été fécondé. Alors il y a 4 œufs là et 4 œufs ici. Voilà, ils ont pondu en même temps, donc je vous tiendrai au courant. Par contre, cette fois-ci, si c'est clair, les femelles, je les enlève de la circulation, ça sert à rien de les fatiguer.
Parce que là, j'ai quand même mis un mâle qui a fécondé les œufs d'en haut. Donc, si la femelle est claire encore, là, je saurai exactement que c'est la femelle. Et là, je sais qu'il y a moyen parce que le mâle a fécondé un œuf. Donc, voilà, soit il pique à côté ou voilà, je sais pas. Mais je vais pas les fatiguer de plus. Ça fait déjà leur deuxième tournée. Si c'est clair, j'arrête pour eux. Voilà. Alors là, je vais vous les faire montrer comme ça, ceux-là. Voilà, petite femelle. Voilà. Alors, les petits loulous grandissent bien aussi. Vous voyez, hop. Alors eux, ils sont nés le 7 avril. Le 7 avril, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ils ont 8 jours. Voilà, donc ils ont 8 jours, ils se portent très bien aussi. Voilà, très très bien. Ça se passe nickel là, pour les bébés. Madame, ça devrait arriver dans 2 jours, 2-3 jours. Bon, j'ai prévu pour le 18. Mais cette année, c'est vrai, c'est bizarre, ça naît un jour avant. De toute façon, à pratiquement toutes les dates, mis à part celle-là que je suis tombé pile poil, et pourtant j'ai pas fait les œufs factices. Donc voilà, je sais pas. Alors, chez les Isabelles, alors là je suis vraiment content. Voilà, hier sur le groupe WhatsApp, j'ai partagé ces images, pardon, oula, je bégaye. Ça c'est la soirée d'hier, pardon. Je vais vous faire montrer les bébés parce que là vraiment je suis content, je vais vous faire montrer ça tout de suite. Voilà, comme je vous disais, voici les bébés des Isabelles. Alors là franchement, même moi, j'ai l'habitude d'avoir des canaris. D'avoir des bébés canaris, voilà, j'ai l'habitude. Mais alors, voilà, quand on voit des couleurs comme ça, on peut que tomber amoureux, quoi, c'est obligé, hein. Vous voyez les plumes, là, alors celui de dessous, c'est encore pire. Vous voyez? Voilà. Vous voyez ça? Moi, quand je vois des oiseaux comme ça, franchement, je suis en extase. Alors, par contre, il va falloir que je me renseigne, parce que les Isabelles, normalement, ouais, ils sont assez rouges, quoi. Donc je vais me renseigner pour pouvoir les colorer là, s'il faut les colorer ou quoi. Parce que voilà, j'ai pas envie d'avoir des oiseaux quand même. Vous voyez les couleurs là, franchement. Là, limite, moi je dis sur des couleurs comme ça tire sur du pastel. Mais bon, après je sais que c'est des Isabelles. Mais vraiment, voilà, il y a de belles couleurs. Vous voyez, le nez est clair. Et ça j'aime bien. Bon ben lui il est un peu à la ramasse. Hein. Écoutez, j'ai pas fait les œufs factices. Voilà. On va passer à un autre nid. Alors. Là, c'est les Isabelles, les petits que je vais vous faire montrer. Et maintenant, on va passer au couple, voilà, femelle pastel, enfin, tire sur le pastel et avec le mâle panaché là, je vais vous faire montrer les petits. Alors oui, ça chante, je vais vous expliquer pourquoi. Voilà. Je vous fais montrer les petits, je vous reprends tout de suite. Voilà. Alors là, c'est le nid que je vais vous faire montrer, le panaché avec la couleur stork pastel. Alors vous voyez déjà, bon, il y a du crème, ceux-là je les connais. Par contre, celui-là, je sais pas, soit ça va être un panaché ou je sais pas trop. Je vais quand même le prendre dans les mains, là, voir deux secondes. Ouais, normalement, voilà, ça va être un panaché. Ouais, voilà. Ça va être un petit panaché. On pourrait presque croire que ce sont des petits hybrides, mais voilà, les hybrides sont tachés comme ça marron avant d'attraper le jaune. Donc non, non, ce sont pas des hybrides. J'aurais aimé, mais je peux pas faire des hybrides, j'ai pas ce qu'il faut. Donc voilà, là aussi il y a des jolies couleurs, là, voilà, des jolies couleurs claires. Et ça m'intéresse parce que l'année dernière, je vous le répète, j'ai eu que des bébés comme ça, là, franchement. Sur 4 petits, à chaque fois, il y avait 3 petits comme ça et un jaune. Que là, ça va, là, j'ai des couleurs comme ça, là, je suis content, là, voilà, franchement, je suis content. Voilà. Alors lui, c'est, voilà, il a la ramasse. Alors je crois qu'il ressemble au nid des voisins, petit vautour. Voilà, bon, il n'a pas attrapé ses plumes encore, c'est pour ça que, voilà. Donc, oui, ça se passe super bien. Alors, voilà, je trouvais intéressant de vous faire la vidéo là maintenant parce que, voilà, ils ont mis des plumes. Voilà, ça se passe nickel. Bon, on va passer à une autre nid. Alors, ce petit couple de jeunes là, voilà, ils sont en train de m'élever leur petit plus le petit des rouges noirs mosaïques. Et vous voyez, j'ai bien fait parce que franchement, voilà, ils se portent pareil que l'autre. Voilà, la femelle les nourrit bien, donc voilà, elle a la gorge, elle est remplie de graines, là on peut le voir. Voilà, donc j'ai bien fait de le mettre ici. Voilà, il grandit pareil. Donc lui, il est né le 6 avril, il a 9 jours aussi, je crois, maintenant. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ouais. Il a 9 jours aussi, voilà, donc il a 2 ou 3 jours de différence avec cela. Là, franchement, c'est même un coup de bol parce que j'ai mis les œufs dessous. Voilà, il est né 2 jours après et le jour même, leur petit est né. Donc, vraiment un coup de bol. Après, là, la petite cage, là, ici, bon, c'est pareil, la femelle est partie se laver. Hein.
Voilà, la femelle est partie à la douche. Alors, le petit Hercule, il est ici, hein. Bon, mais voilà, là, il est. Quand ils sont jeunes comme ça, ils sont un peu. Voilà, vous voyez, hop. Hop. Voilà. Une jolie petite couleur. Voilà, pas très farouche maintenant. Voilà, ils me connaissent. Donc, vous voyez, ils se démerdent pas mal, hein. Et la femelle, c'est pareil, elle a pondu 2 œufs, là. J'ai sorti les œufs, je fais la méthode Faxi cette fois-ci. Voilà, ça fait toujours chier d'avoir des petits à la ramasse là dans les nids. Donc j'ai des œufs sous la main et puis voilà, j'en profite. Ouais, ben ça c'est fait, je vous ai fait montrer les agates. Alors maintenant je vais vous expliquer. Alors voici les loulous. Alors là, voilà. Bon, la femelle en haut a pondu le 4e œuf ce matin, il n'y en a pas pondu, elle a 4 œufs, j'ai remis ses œufs quand même. Voilà. Là ici j'avais un couple de jaunes, un couple de jaunes. Ils m'ont strictement rien fait. C'est pas que voilà, ça me dérange. Mais voilà, je les ai passés dessous là-bas dans les cages doubles avec des mâles. Je vais peut-être mettre un ou deux nids, voir. Mais bon, moi, ça, voilà, ça va être destiné pour la vente. Je vais pas garder ces oiseaux-là. Malgré que la femelle avait fait son nid. Bon, écoutez, voilà. Je vais me concentrer sur mes canaries couleurs, comme je vous l'ai dit, vous le savez maintenant. Alors, je vais vous expliquer comment on fait pour. Voilà, la femelle couve, j'avais la grille. Alors, j'ai ouvert les cages, j'ai nettoyé mes cages pour les jeunes. Alors j'ai mis pâté et graines à volonté ici. Voilà, des graines dans les mangeoires aussi, des buvoirs, j'ai mis 3 buvoirs quand même. Là aussi c'est pareil, j'ai mis pâté et graines. Voilà, comme voilà. Alors moi ce que je fais, j'ai lâché les petits dans cette cage double. Déjà pour voilà, pour vous voyez, pour qu'ils puissent voler tranquillement. Et j'ai laissé le papa avec. Voilà. Alors moi j'aime bien faire cette méthode. L'année dernière j'ai fait pareil, ça s'est très bien passé. Vous voyez, la femelle couve très bien sans le mâle. Il n'y a pas de souci. Là le mâle va picorer dans les ramequins. Il va faire montrer aux jeunes comment il faut faire. Parce que bon, je les ai vus manger, mais pour le sevrage c'est plus simple. Donc ben, mes petits sont là. Voilà, les 6 sont là. Regardez, ils sont tous ici. Voilà, ils sont tous ici mes petits. Voilà. Vous voyez, au moins là ils peuvent se dégourdir les ailes. Donc voilà, moi je procède comme ça. Et quand je vois que les petits sont vraiment bien sevrés, la femelle va couver de toute façon 14 jours. Donc là, les petits seront sevrés. Hein. Il n'y a pas de souci. Donc là, je me suis ouvert ici. Voilà, après, ça m'empêchera pas de mélanger même les noirs-rouges ici avec eux en attendant. Voilà, mettre quelques-uns ici. Et de toute façon, après, voilà, ces oiseaux, comme je vous le disais, vont être vendus. Il y aura toute cette bande là. Voilà, pour mettre mes oiseaux à moi. Et voilà, de toute façon j'ai une volière en projet à l'extérieur pour mettre tous mes jeunes. Voilà, il faut juste que je la construise, trouver le moment pour la construire. Voilà, donc écoutez, ça se passe super bien. Écoutez, on touche du bois, il n'y a pas eu de perte jusqu'à maintenant. Voilà, je suis mes cages fréquemment. Là, je vous avouerai que, voilà, alors je vais vous expliquer. Vous voyez la cage? Je les ai nettoyées hier, ouais, voilà, hier ou avant-hier. Mais pour moi déjà, là, je trouve que c'est très sale. Voilà, et puis voilà, sûrement en fin d'après-midi, je vais venir et je vais sûrement gratter ces cages. Voilà, hier j'avais mis du vinaigre dans les buvoirs, aujourd'hui j'ai mis de l'eau claire, voilà, de l'eau claire à tout le monde. Voilà, j'ai arrêté ces 2 couples, comme je vous l'ai dit, les 2 jaunes, je les ai tous mis ensemble en bas là. Voilà, ils sont 7 ou 8, ils ont largement de la place. Hein, voilà, bon, il n'y a que les mâles qui vont se chamailler un peu, mais c'est pas très grave. Donc ben là, c'était clair, hein, évidemment, je vous l'ai dit, je vous le redis, le mâle veut à tout prix refaire un nid. Là c'est pareil, si je vois que la femelle s'éclaire, je l'arrête aussi. Voilà, donc voilà, j'ai fait à peu près le tour avec vous de tous mes oiseaux. Voilà, ça se passe plutôt pas trop mal. Écoutez, que ça continue. Hein. Donc ben voilà, franchement là, je suis content. C'est mes premiers oiseaux qui sont sortis là. Voilà, mes premiers oiseaux qui sont sortis de l'année. Donc franchement, j'ai rien à dire. Bon, vous voyez le père hein, à côté. Hein. Agate mosaïque mâle là. Entre les 2 là. Voilà. Voilà. Ça, c'est une femelle. Hein. Voilà, une belle femelle à mon avis. Regardez. Voilà. Bon, après, franchement, comme je vous l'ai dit, ma volière, franchement, ça me plaît pas trop. Elle est dégueulasse. Bon, quand je l'ai acheté comme ça, voilà, elle était comme ça, donc j'ai pas eu trop le choix de la garder et de faire avec ça cette année. Mais pour l'année prochaine, oui, elle va être nettoyée, repeinte, comme il faut, quoi, voilà. Donc, sûrement en blanc mat, je vais la remettre. La repeindre en blanc mat. Voilà, nettoyer mes tiroirs, réparer les tiroirs, parce qu'il y a des tiroirs qui sont un peu rouillés, voilà, donc, voilà.
je pense que j'ai fait le tour avec vous. J'espère que ma petite vidéo vous aura plu. Je fais un petit coucou à tous mes amis de WhatsApp avec qui on discute franchement d'oiseaux. Voilà, on discute d'oiseaux, de génétique. On discute, franchement, ça parle oiseau, quoi. Donc, je leur fais un coucou, un grand bisou. Et je tiens à remercier tous mes abonnés. Franchement, vous êtes une communauté en or. Je le répéterai jamais assez. Donc, je vous fais un gros bisou à tous mes abonnés. Voilà, et je vous dis à très bientôt. C'était Jim Chasse. Portez-vous bien. Prenez soin de vos oiseaux. Ciao, ciao. Voilà, et pour confirmation, voilà, vous voyez que le mâle, il nourrit les petits aussi. J'avais un doute sur ce mâle, mais non, il nourrit aussi. Voilà, ciao, ciao.